Bonjour, aujourd'hui on va lire le livre Awâsis et la délicieuse bannique. Avant de commencer, j'ai regardé une vidéo pour savoir comment prononcer les mots cris, mais ça se peut que j'ai encore un peu de misère à les prononcer correctement. Awâsis passe tous les dimanches avec Cocum. Un dimanche, Cocum demande à Awâsis de porter quelques-unes de ses fameuses baniques chez un proche. En chemin, Awâsis saute par-dessus des rochers. Elle court à travers des champs et traverse des ponts en sautillant. Mais soudain, alors qu'elle s'amuse énormément, Awâsis fait tomber les fameuses baniques de Cocum en bas d'un pont. Awâsis a perdu les fameuses baniques de Cocum. Elle se met à pleurer. Au même moment, Sissip passe près d'Awâsis en se dandinant et remarque qu'elle pleure. « Tant pis, Nitotem, cacane Sissip. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu les fameuses baniques de Nocum, » répond Awâsis. « Qu'est-ce que je vais faire? » « Ne t'inquiète pas, cacane Sissip. Je n'ai pas de bannique, mais j'ai un peu de totosapomigan. » Et je suis certain qu'il y en a dans les baniques. Awâsis sourit et accepte l'offre de Sissip avec joie. Elle poursuit son chemin. Tout à coup, elle voit Wapos qui se dirige vers elle en sautillant. « Tant pis, Nitotem, » dit Awâsis. « Sais-tu où je pourrais trouver des bannics? » Wapos arrête de sautiller et répond. « Namoya, Awâsis, mais j'ai un peu de Aski-Pau-Wasigan et je suis certaine qu'il y en a dans les bannics. » Awâsis prend l'offrande de Wapos avec joie. Elle flatte le ventre de Wapos et poursuit son chemin. Arrivé au ruisseau, Awâsis voit Aïkis bondir d'un rocher à l'autre. Tant pis, Nitotem, crie Awâsis. Sais-tu où je pourrais trouver des bannics? Aïkis arrête de bondir et coasse. Namoya, Awâsis, mais j'ai un peu de Sewinikan. Et je suis certaine qu'il n'y en a dans les bannics. Awâsis accepte l'offrande d'Aïkis avec joie. Elle saute par-dessus le petit ruisseau et poursuit son chemin. Awâsis s'en va dans la forêt. Sur la branche d'un arbre immense, elle aperçoit Oh oh! Qui s'endort doucement. Tant pis, Nitotem, chuchote Awâsis. Sais-tu où je pourrais trouver des bannics? Oh, se réveille, regarde Awâsis du haut de sa branche. Il tourne la tête et ulule. Namoya, Awâsis, mais j'ai un peu de Sewinigan. Et je suis sûre qu'il n'y en a dans les bannics. Awâsis accepte l'offrande d'eau avec joie, mais elle fronce légèrement les sourcils.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Demande O. J'ai tous ces ingrédients, répond Awâsis, mais je n'ai pas de bannique. Nokum serait tellement déçu. Mais Awâsis ulule Owo en riant. La recette de Kokum est si célébrée que même moi j'en ai entendu parler. À vrai dire, j'entends très bien. Tu as la plupart des ingrédients à présent, mais vérifie d'abord avec Kokum. Puis Owo s'envole. Awâsis rentre à la maison au pas de course. Elle ne saute sur aucun rocher et ne traverse pas de pont en sautillant. Elle se précipite sur la porte. Je suis désolée, Kokum. J'ai laissé tomber tes fameuses bannique en bas d'un pont. J'ai demandé à plusieurs gentils animaux de m'aider et en trouver d'autres. Mais à la place, ils m'ont donné tous ces ingrédients. Kokum rit. Ne t'inquiète pas, nos six sims. Nous allons en faire d'autres ensemble. Mais nous avons toujours besoin de Toto Sapoy. Au même moment, Kokum et Awâsis entendent quelqu'un cogner à la porte. C'est un masqua qui offre à chacune d'elles du Toto Sapoy. Kokum rit de plus belle. Puis elle commence à préparer les fameuses bannique avec l'aide d'Awâsis qui pourra les partager avec ses nouveaux animaux, ses nouveaux amis. Et c'est la fin du livre, et voici à la fin, il montre comment prononcer les mots écrits et la signification des mots en français. Alors aujourd'hui, on a lu le livre Awâsis et la délicieuse bannique. À plus tard!